Janko le musicien, Henryk Sienkiewicz. Il vint au monde faible, maladif. Les voisines, qui entouraient l'accouché, hochèrent la tête en le voyant si petit, si misérable. La forgeronne Simonova, la plus avisée de toutes, consola la malade. « J'allumerai au-dessus de ton lit un grand cierge pour la Vierge, » fit-elle. « Tout est fini pour vous. Préparez-vous à entrer dans l'autre monde. Il faut t'envoyer chercher le curé afin qu'il te nettoie de tes péchés. Et le petit garçon, dit une autre, il faut tout de suite le baptiser. Il n'attendra pas le curé, au moins qu'il ne meure pas païen. Elle alluma un bout de cierge, prit l'enfant, l'aspergea d'eau bénite froide qui le fit cligner des yeux, puis prononça solennellement. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et te donne le nom de Jean. Et maintenant, âme chrétienne, retourne au ciel d'où tu viens. Amen. Mais cette âme chrétienne n'avait aucune envie, paraît-il, de retourner au paradis et d'abandonner le pauvre petit corps maigre qu'elle habitait. Au contraire, l'enfant agita nerveusement les bras et les pieds et commença à pleurer si doucement et si plaintivement qu'on aurait cru l'entendre dire. Quelle absurdité de croire que je vais quitter la terre! On envoya chercher le curé. Il arriva en carriole, fit son devoir et repartit. L'accouchée se sentit un peu mieux. Au bout d'une semaine, elle allait déjà au champ. Quant à l'enfant, il végéta à peine, mais il végéta. Lorsque le coucou chanta son 4e printemps, il se rétablit suffisamment pour atteindre sa 10e année. Il était maigre, tout hâlé du soleil, avec un ventre boursouflé et des joues pendantes, des toupets de cheveux aussi blancs que du lin. Lui tombait sur les yeux ou se hérissait tout ébouriffé. Son regard clair était pensif. L'hiver, il était assis près du poêle et pleurait doucement de froid ou de faim. De faim surtout, quand sa mère n'avait rien à faire cuire, ce qui arrivait souvent. En été, il était habillé d'une simple chemise, serrée à la ceinture par un bout de lisière, la figure abritée par un mauvais chapeau de paille, par les trous duquel sortaient des mèches claires de cheveux. Sa mère était une pauvre ouvrière qui vivait au jour le jour comme l'hirondelle. Elle l'aimait peut-être son Janko, mais elle le battait souvent. Il l'appelait toujours « enfant trouvé ». À 8 ans, il allait garder quelquefois le bétail, ou bien quand il n'y avait rien à la maison, il devait chercher des agarics dans la forêt. Si les loups ne le mangèrent pas, c'est que Dieu en avait certainement pitié. Il était timide, comme tous les enfants de paysans. Toujours prêt à se fourrer un doigt dans la bouche quand un étranger leur adresse la parole. Personne ne pensait qu'il grandirait, et encore moins s'avisait-on de croire qu'il pourrait soulager plus tard sa mère. Il ne valait rien pour le travail. On ne sut jamais comment cela s'était fait, mais il n'avait de goût que pour la musique. Cet endiablé le suivait partout. Il était à peine haut comme la table qu'il ne pensait qu'à cela. Il arrivait souvent qu'en allant faire paître les vaches dans la forêt, il prenait avec lui une corbeille pour recueillir des baies. Mais plus souvent encore, il revenait avec son panier vide et disait à sa mère « Oh, oh mère, il y avait dans la forêt quelque chose qui chantait. » Il était tout enthousiasmé, mais sa mère « Attends, je vais te faire chanter, n'aie pas peur. » Et elle lui donnait de la musique avec la cuillère à peau. Le petit criait, pleurait, promettait que cela ne lui arriverait plus. Mais malgré tout, malgré les coups qui lui brûlaient la figure, il pensait à cette merveilleuse musique de la forêt. Les pins,
Les hêtres, les bouleaux, les merles dorées, la forêt tout entière jouait, chantait. Et quelle musique merveilleuse! Le moindre brin d'herbe avait sa chanson. Les moineaux qui pépillaient dans le griottier, près de la cabane, avaient une mélodie particulière. Le soir, il écoutait les mille bruits de la campagne, dans le sommeil de la terre. Si on l'envoyait dans les champs épancher le fumier, le vent lui-même s'amusait à siffler et à gronder dans les fourches. Une fois, le surveillant de la ferme le remarqua. Il était les bras ballants au milieu du champ, à écouter de ses deux oreilles le gémissement de la brise dans les fourches. Il s'approcha de lui et, le prenant par la ceinture, il lui donna une raclée pour le faire souvenir qu'il devait travailler. Mais à quoi cela servait-il? Les gens du village l'appelaient Yanko Musicante, Petit Jean le musicien. Au printemps, il courait au bord de la rivière couper des branches de frêne ou de saule pour se faire des flûtes. De nuit, quand le cœur des grenouilles coassait et que le râle et les butors chantaient dans l'herbe humide de rosée, il écoutait. Et Dieu sait quelle harmonie il trouvait dans ces bruits. Sa mère n'osait pas le prendre avec elle à l'église, le dimanche, car lorsque l'orgue ronflait ou que l'on chantait d'une voix douce, les yeux de l'enfant prenaient une singulière expression. Il semblait qu'il regardait loin, loin, plus loin que ce monde. Le garde qui allait de nuit dans la campagne et par le village, comptant les étoiles au ciel pour ne pas s'endormir en marchant ou s'entretenant avec les oiseaux, avait souvent vu la petite chemise blanche de Yanko qui s'approchait furtivement de l'auberge, mais il n'entrait pas. Il s'accroupissait sous le rebord de la fenêtre ouverte et écoutait les jeunes gens dansant l'obertas. De temps à autre, on entendait la voix d'un gars qui criait « Ouh ! Ah !» Pendant que les bottes piétinaient sourdement le plancher raboteux, et que les voix argentines des jeunes filles résonnaient, le violon jouant tout doucement d'une voix si claire. « Nous mangerons et nous boirons, et nous nous amuserons !» La basse, de sa voix grave, répétait aussi. « Nous mangerons et nous boirons, et nous nous amuserons !» Les fenêtres brillaient du feu des lampes, les poutres tremblaient, gémissaient et chantaient aussi. Et Yanko écoutait. Que n'aurait-il pas donné pour un violon qui criait d'une voix si grêle et si gaie ?« Nous mangerons et nous boirons !» Et nous nous amuserons. Et dire que des planchettes pouvaient chanter. Où pouvait-on s'en procurer? Qui les faisait? Si on lui avait seulement permis d'en tenir un dans ses mains un tout petit moment pour voir comme il était fait. Mais il n'y fallait pas penser. Il ne pouvait qu'écouter et écouter toujours sans fatigue jusqu'à ce qu'enfin il entendit la voix du garde. « Ne veux-tu pas aller te coucher, démon ?» Il s'enfuyait pieds nus à la maison, tandis que la guerre ritournelle du violon avec la voix grave de la basse, le poursuivait dans l'obscurité. « Nous mangerons et nous boirons, et nous nous amuserons !» Quand il pouvait entendre un violon, que ce fût à la fête des moissonneurs ou à des noces, c'était pour lui une grosse joie. Il grimpait ensuite sur le poêle et ne disait rien pendant des journées entières. On n'apercevait que ses yeux brillants, comme ceux d'un chat dans l'obscurité. Il se fit lui-même un violon avec des bardeaux et du crin de cheval. Mais son instrument n'avait pas un son aussi fort que le violon du cabaret. Il vibrait tout doucement, aussi faiblement que des mouches ou des moucherons. Il n'en raclait pas moins du matin au soir, bien qu'il reçût pour cela force bourrade. Sa petite figure ressemblait à une pomme verte, mais c'était sa nature. Il maigrissait toujours plus. Son ventre se boursouflait de plus en plus. Sa tignasse restait ébouriffée, ses yeux s'agrandissaient, bien qu'il les eût pleins de larmes. Enfin, sa poitrine et ses joues, toutes creuses, faisaient mal à voir. Il n'était pas du tout comme les autres enfants. Il ressemblait bien plutôt à son violon de bardeau qui bourdonnait à peine. Avant la moisson, il était horriblement maigre, car il ne se nourrissait le plus souvent que de carottes crues, et bien plus encore du désir de posséder un violon. Ce désir, tout honnête qu'il fût, n'aboutit à rien de bon. Le laquais du propriétaire, ancien seigneur du village, possédait un violon dont il jouait souvent à la brume dans la cour, pour plaire à mesdemoiselles les servantes. Yanko se glissait souvent dans des buissons, jusque sous les fenêtres ouvertes de l'office, d'où il pouvait regarder à son aise ce fameux violon, appendu à la muraille en face de la porte. Toute l'âme du gamin passait dans ses yeux. Il n'aurait pas osé y toucher, car pour lui, c'était une relique aussi sainte que celle de l'église, quelque chose d'inaccessible. Et cependant, il le convoitait. Il aurait voulu l'avoir au moins un petit moment dans les mains, le regarder de près. Le cœur du petit garçon bondissait à la seule pensée d'un tel bonheur.
Un soir que la lune brillait bien clairement, il n'y avait personne dans l'office. Les maîtres étaient depuis longtemps à l'étranger. La maison était déserte et le laquais était dans l'autre aile, occupé à converser agréablement avec mademoiselle la femme de chambre. Yanko, caché dans les buissons, regardait par la porte largement ouverte, l'objet de ses plus grands désirs. La lune, pleine, inondait de lumière la fenêtre de l'office et dessinait, sur le plancher, un large carré blanc qui, montant peu à peu sur la fenêtre opposée, s'approchant du violon, s'y accrocha et l'éclaira enfin brusquement. Sur le fond sombre du reste de la chambre, il semblait que ce violon fût d'argent. Ses courbures convexes étaient si puissamment éclairées que Yanko en clignait des yeux. Grâce au vif éclat de la lune, on distinguait tout parfaitement bien. Les côtés découpés, les cordes et le manche tourné, recourbés. Les chevilles avaient l'air de verre luisant. Au-dessous, l'archet ressemblait à une baguette d'argent. Ah ! Tout cela était si visible et vraiment merveilleux. Yanko, toujours plus tenté, regardait. Caché dans les buissons, accoudé sur ses genoux maigres, les lèvres entrouvertes, il regardait et regardait. La peur le maintenait en place, mais il sentait une force irrésistible le pousser en avant. Était-ce un charme ? Ce violon avait parfois l'air de s'approcher, de tendre son cou de bois, comme s'il avait voulu se sentir saisir par l'enfant. S'il s'assombrissait, c'était pour rayonner bientôt toujours plus tentateur, aux yeux du gamin ébloui. De temps en temps, le vent gémissait, les arbres bruissaient, les buissons frissonnaient, et Yanko croyait entendre quelqu'un lui souffler à l'oreille. « Va, Yanko, va, il n'y a personne dans l'office, va Yanko !» La nuit était claire, sereine. Dans le verger, près de l'étang, le rossignol se gargarisait avec ses roulades et, tantôt languissamment, tantôt d'un ton convaincu, lui répétait « Va, va donc !» Un honnête engoulevent volait en rond au-dessus de l'enfant, comme pour lui dire « Non, Yanko, ne va pas !» et le prévenir contre la séduction. Mais cet engoulevent s'envola, tandis que le rossignol répétait d'une voix toujours plus assurée « Il n'y a personne ! Va, Yanko !» Le violon rayonnait de nouveau, éclatant. Le gamin se leva et s'avança prudemment, tandis que le rossignol, avec insistance, en deux notes claires et sonores, lui disait « Va, Yanko, va !» La petite chemise s'approcha de plus en plus de la porte ouverte. Les noirs buissons ne la cachaient plus. La poitrine de l'enfant haletait sur le seuil de la porte, sa respiration était précipitée. Un instant encore, et la petite chemise blanche va disparaître tout entière dans l'office. Il n'y a plus sur le seuil éclairé qu'une petite jambe nue, toute tremblante. La petite chemise a disparu. C'est en vain, engoulevent, que tu volais encore et que tu répètes. Non, non ! Yanko est déjà dans l'office. Les énormes crapauds de l'étang ont coassé de peur, comme effrayés, puis ils se sont tus. Ils sont bien plus effrayés encore. Le rossignol a cessé de chanter, les buissons de frissonner. En ce moment, Yanko rampe prudemment, lentement. Mais tout à coup, la peur le prend. Dans les buissons, il était comme chez lui, comme un petit chat sauvage dans la forêt. Maintenant, il se sent en cage. Ses mouvements deviennent plus rapides, sa respiration est courte, sifflante. L'obscurité l'effraie. Un éclair de chaleur sillonne le ciel et, de sa lumière blafarde, éclaire l'intérieur de l'office. Yanko est à quatre pattes devant le violon, la tête levée vers l'instrument. Mais l'éclair a disparu. La lune se cache derrière un nuage et l'on ne voit plus rien. On n'entend plus rien. Un léger bruit vibre, plaintif et doux, dans l'obscurité, comme si quelqu'un avait effleuré les cordes du violon. Et, tout à coup, une voix dure et comme ensommeillée part du coin de l'office et crie d'une voix en colère. « Qui est là ?» Yanko retient son souffle, mais la voix répète avec insistance. « Qui est là ?» Le frottement d'une allumette grince contre la muraille. L'office s'éclaire tout entier. Puis, « Oh, mon Dieu !» On entend des jurons, des coups, les sanglots d'un enfant. Un cri. Oh, mon Dieu ! Les chiens aboient, des lumières courent, effarées, dans toute la maison. C'est un tapage. Le lendemain, Yanko est debout devant le juge et le bailli. On devait le juger comme un petit malfaiteur. Les deux hommes regardèrent le gamin qui, tout effrayé, un petit doigt sale dans sa bouche, ne savait guère ce qu'on lui voulait et pourquoi on l'avait amené devant ces deux messieurs.
Comment peut-on juger un gamin pareil? Il n'a pas 10 ans et se tient à peine sur ses jambes. Faut-il l'envoyer en prison? Que diable! On doit avoir un peu de compassion pour les enfants. Que le garde le prenne, lui donne la verge, une autre fois il n'osera pas aller voler. Et voilà tout! Voilà tout! On appela Stacha, le garde champêtre. Emmène-le et donne-lui en assez pour qu'il s'en souvienne. Stacha hocha sa tête stupide et sauvage, prit Yanko sous le bras et l'emporta dans la grange. L'enfant ne comprit pas ce qu'on lui voulait, ou peut-être s'épouvanta-t-il fort. Toujours est-il qu'il ne dit pas un mot. Il regarda seulement Stacha du regard d'une alouette blessée. Savait-il ce qu'on allait lui faire? Quand le garde l'eut étendu à terre, il lui releva sa petite chemise et fit siffler la verge à ses oreilles. Alors seulement, Yanko cria « Maman! Maman !» Chaque fois que la verge du garde, impitoyable, retombait sur son pauvre petit corps, il criait « Maman !» Mais toujours plus doucement, plus faiblement, si bien qu'à je ne sais plus quel coup, l'enfant se tut et n'appela plus sa mère. Pauvre violon brisé. « Hé, bête, méchant Stacha, qui bat ainsi les enfants ? » Celui-ci était si faible, si petit, il vivait à peine. La mère arriva, prit l'enfant, mais elle dut l'emporter à la maison. Le lendemain, Yanko ne se leva pas. Le troisième jour, il agonisait tranquillement sous une serpillière. Les hirondelles gazouillaient dans le grillotier qui croissait à côté de la cabane. Un rayon de soleil entra par la fenêtre et entoura de lumière la tête dorée et ébouriffée de l'enfant et sa petite figure pâle. Ce rayon de soleil était la grande route par laquelle devait s'envoler la petite âme de l'enfant. Il était bon qu'au moins au moment de mourir, un chemin tout ensoleillé se présenta à lui. Le chemin de la vie était trop plein d'épines. En ce moment, la petite poitrine de l'enfant se souleva. Il écoutait attentivement les voix de la campagne qui entraient par la fenêtre ouverte. C'était le soir. Les jeunes filles revenaient de faner le foin et chantaient « Oi sur le blé vert! Oi sur le blé en herbe !» On entendait des sons filés de flûte venir du bord du ruisseau. Yanko écouta, pour la dernière fois, la campagne chantée tout entière. Sur la couverture, devant lui, gisait son violon de bardo. Tout à coup, la figure de Yanko s'éclaira soudain. Il chuchota entre ses lèvres blanchies. « Petite mère !»« Eh bien, mon fils !» demanda celle-ci que les larmes étouffaient. « Mère, n'est-ce pas que le bon Dieu me donnera un violon dans le ciel ?»« Oui, mon fils, oui !» répondit la mère. Mais elle ne put en dire plus long, car elle sentait un gros sanglot lui monter à la gorge et l'étouffer. Elle répéta seulement « Jésus ! Jésus !» et tomba le visage sur la caisse en sanglotant, comme quelqu'un qui perd la raison, ou plutôt comme quelqu'un qui se sent impuissant à arracher à la mort un être aimé. Elle ne l'arracha pas, la pauvre mère, car lorsqu'elle se releva pour regarder son fils, les yeux du petit musicien étaient ouverts, mais immobiles. Son visage était très sérieux. Le rayon de soleil avait disparu. Père Yanko. Le lendemain, les maîtres du château arrivèrent d'Italie, accompagnés de mademoiselle leur fille et d'un jeune homme qui recherchait la main de celle-ci. Le jeune homme dit en français « Quel beau pays que l'Italie! Et quel peuple d'artistes! On est heureux de chercher là-bas des talents et de les protéger !» ajouta mademoiselle. Yanko repose sous les bouleaux blancs qui bruissent au vent. Thank you.